Today I went to see David Peyu from Champagne Peyu Simonet in Belzunay. It's a really busy time of year, the harvest is in full swing and there's a lot going on. You can hear the sound of the press in the background. So it was kind of David to give me a few minutes to share his thoughts about champagne making. David, ce matin, je suis allé voir les vendangeurs dans la parcelle qui s'appelle les Carquois. C'est une parcelle assez particulière, je crois. C'est une parcelle à laquelle je tiens beaucoup. C'est une parcelle sur laquelle on a créé le premier blanc de noir chez Peyu Simonet en 2006. Elle se trouve sous le phare de Verzenay, très proche du raz de terroir de Verzy. C'est-à-dire que c'est à mi-pente et plutôt dans les secteurs les plus hâtifs du cru. C'est une parcelle qui a environ 20 ans, qui est en pleine force de l'âge. Je pense qu'on devrait être aux alentours de 11 degrés potentiels en alcool. Rien qu'à goûter les raisins, je crois qu'on a fait le bon choix, on est pas mal. C'est là où je vais toujours chercher la plus belle maturité et en général un état sanitaire parfait. Quel est l'intérêt en fait de développer une approche parcellaire? Bah, comme tu sais, déjà, j'ai fait mes études en Bourgogne et j'en ai retiré pas mal de choses. Une approche au vignoble, mais également en vinification. Tu sais qu'il y a beaucoup de barriques à la maison. Et les bourguignons sont très attachés à leur climat. Et je pense qu'une des erreurs de la Champagne, probablement portée par les grandes maisons qui ont géré la communication en parlant d'histoire et d'assemblage, c'est d'avoir un peu nié les qualités du parcellaire et ne pas avoir su mettre en avant certains lieux dits mieux placés que d'autres. Et toi, tu as tes parcelles à Verzenay? Aujourd'hui, en cave, nous, on a des cuvées parcellaires à Verzenay sur les Pertois, à Verzenay sur les Crayères, mais aussi à Verzenay en Chardonnay sur les Basse-Corette. On a un parcellaire sur Maille-Champagne, les Poules, et un parcellaire sur Villers-Marmerie en premier cru, les Chouettes. Et dans ta gamme de produits, on peut retrouver toutes ces champagnes? Tout n'est pas forcément au catalogue aujourd'hui, mais tout existe en cave, donc le sera un jour. D'accord. Et vraiment avec dans l'idée d'expliquer aux consommateurs ce que peut être la diversité champenoise. Okay. Et moi, dans ma culture, la diversité, c'est une richesse. Okay. Merci, David, c'est super, bonne continuation. Merci, Jace.